Moi, je viens de l'ENSAT, donc un tout petit mot sur l'ENSAT. On fait de la photonique. C'est quoi la photonique? Là, vous avez des fibres à trous, là, vous avez des lasers, là, où il y a des fibres sans trous. Là, c'est une image infrarouge. Voilà. Donc, on est une école d'ingénieurs. Alors là, j'ai mis la petite ligne d'usage. Hein. Pour intégrer l'ENSAT, j'ai des docs, si vous voulez venir à la fin, pour les prépas. Et puis, on est enseignant-chercheur hein, quand on est maître de conférence. Donc, on travaille dans une école où on enseigne et on travaille aussi dans un laboratoire. Et dans le laboratoire, nous, on fait de l'optronique, ce qui est l'autre nom de la photonique. Les électrons et les photons ensemble. On fait tout ça avec de la photonique. Enfin, j'insiste pas. C'est pas très connu, mais ça va exploser au XXIe siècle comme l'électronique a vraiment transformé le XXe siècle. On va parler de musique. Mais la musique, ça se fait avec des sons et l'acoustique aussi. Qu'est-ce qu'un son? Ben, c'est une vibration de l'air. Et on se rappellera que si on prend un instantané, une photo, eh bien, la longueur d'onde... Ah, c'est comme toutes les ondes, on va la repérer. On va avoir condensation et raréfaction de l'air, donc la pression acoustique qui va varier localement. Et ces modifications mécaniques vont être captées par l'oreille. Et donc dans l'oreille interne, on a un tas de petits éléments, dont quelque chose qui ressemble fort à une harpe quelque part, et qui va capter, se mettre à vibrer, des petits capteurs qui vont capter les graves et les aigus. Mais j'y reviendrai. La chaîne typique pour entendre un son, ben, c'est quoi? Vous avez une source de son et vous avez un milieu de transport et puis des récepteurs quelque part. Alors ça, c'est très très général. Ça marche aussi pour l'optique, pour l'électronique, pour les micro-ondes, pour vos téléphones, pour n'importe quoi. Vous avez toujours des sources, des milieux de transport et un récepteur. Et puis parfois des sources, il y en a plusieurs, dont certaines qui sont parasites. Bon, alors de quoi on va essayer de parler aujourd'hui? Quelques notions vraiment de base d'acoustique pour vous montrer que ben, finalement c'est comme tout le reste, c'est jamais qu'une onde. Et une onde c'est quoi? Ben, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Ben, y a une vitesse, hein, c'est la distance divisée par le temps. Il y a ben, la vitesse, elle est donnée dans les gaz, hein, par une relation directe de la température. Je vais rajouter le petit degré ici parce que c'est pas le même éclat. Là, on a la fréquence du son qui est l'inverse de la période, comme d'habitude, et sa longueur d'onde qui est donnée par la vitesse et la période, c'est-à-dire que l'onde met un certain temps à se propager, et en fonction, comme elle a une certaine vitesse d'oscillation, elle va avoir une certaine longueur d'onde. Le physicien, il parle soit en fréquence, soit en longueur d'onde, en supposant que les vitesses soient bien connues. Alors, sur les notions propres aux ondes, on a la puissance et puis l'intensité acoustique qu'on va définir en watts par mètre carré. Voilà, et on voit ici les watts et ici les mètres carrés qui apparaissent. Et puis une pression acoustique qui va dépendre cette fois-ci de la masse volumique du matériau que l'on va mettre sous pression. Et puis, comme toutes les ondes, les ondes acoustiques, elles subissent la diffraction. Qu'est-ce que c'est que la diffraction? C'est l'envoi dans toutes les directions des différentes composantes fréquentielles de l'onde en question. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, si je fais un tout petit trou et que j'ai ici une onde qui arrive, eh bien, chaque petit point de l'ouverture va se comporter comme une source ponctuelle. Alors quand l'ouverture elle est très très grande, ben je peux considérer que toute une somme de sources ponctuelles ici, finalement, ça va reconstituer une ouverture complète, ça ne modifie pas l'onde. Mais si on fait d'un tout petit trou, eh bien, on va avoir des sources qui vont être ponctuelles, donc avec des ondes qui seront sphériques à la sortie. Alors ce principe de superposition des sources ponctuelles, il est très très utilisé en optique notamment. Bon, alors ça, c'est la diffraction, hein, c'est le principe de Huygens qu'on utilise beaucoup en optique. Et puis, il y a aussi la réflexion pour les ondes acoustiques. Donc, c'est les mêmes que les autres. Et puis, il y a des choses qui vont bien nous servir ici, c'est les interférences, parce que je vais beaucoup parler d'interférences aujourd'hui. Quand on fait de la musique, on fait beaucoup d'interférences, l'air de rien. Et puis, cet effet Doppler, qui est si rigolo quand on écoute une ambulance, hein, l'ambulance qui se rapproche, le son monte en hauteur de note, et puis quand l'ambulance s'en va, le son baisse. Alors vous savez que vous pouvez faire ça chez vous, hein, vous prenez un appareil, je vous dis pas, vous choisissez celui que vous voulez, qui fait un son avec une note constante, vous prenez un diapason en gros, hein, mais électronique, vous l'attachez sur une ficelle, hein, vous l'attachez bien à la ficelle surtout, parce que vous le faites tourner comme ça autour de vous, hein, et puis vous entendrez, alors vous n'entendrez pas parce que vous êtes au centre, mais s'il y a une personne en face de vous, et que la ficelle tient bien, et que ça passe pas très loin de la personne, à ce moment-là, on entendra très très bien l'effet Doppler, vous entendrez le diapason dont la note monte et baisse.
Alors, il faut le faire assez vite, hein, parce que c'est précisément la vitesse de la vitesse de la, de, du déplacement du diapason qui va venir s'ajouter à la vitesse du son, donc à la fréquence. Donc, il faut le faire assez vite jusqu'à ce qu'on l'entende, de plus en plus vite. On parle un petit peu du récepteur. Le récepteur, ben, il entend des graves et des aigus, et puis il va de 20 Hz, c'est les très très graves qu'on entend quand on est encore assez jeune, et puis les aigus, c'est 20 kHz qu'on entend quand on est encore assez jeune, qu'on n'est pas allé trop en boîte. Donc, en gros, j'y reviendrai un tout petit peu là-dessus. Le seuil de sensibilité qu'on peut trouver, il est à 10-12 watts par mètre carré. Donc, c'est autour de 3 kHz, c'est des aigus raisonnables. Hein, c'est la fréquence à peu près qu'on fait quand on siffle, hein, c'est à peu près le maximum de capacité de détection de l'oreille humaine. Alors, on peut même dire que c'est à peu près la hauteur du cri du bébé. Et là, il y a des bonnes raisons qu'on soit calé là-dessus. Des raisons, je dirais, quasi historiques. Si on a survécu, c'est qu'on était capable d'aller les chercher quand il était encore temps, et en tant qu'espèce. Et la perception, donc, ben, quand on l'écrit en logarithme, parce qu'on a une très très grande dynamique d'oreille, on entend à partir de 10-12 watts par mètre carré de pression, et bien, on se rend compte qu'on a une dynamique qui peut aller de... Alors, si on compte les dB ici, on met un 0 par ici, on peut aller jusqu'à 120 dB de dynamique. Mais 120 dB de dynamique, c'est gigantesque. C'est vraiment gigantesque. Si vous avez des capteurs dans votre entourage, je pense au microphone, si vous... aux caméras, entre la différence entre le rapport entre le plus petit signal, le signal le moins intense, et le signal le plus intense détectable à 120 dB, c'est vraiment du grand luxe déjà. Donc on a des capteurs de grand luxe. Et qu'est-ce qui se passe au-dessus? Ben, c'est le seuil de la douleur. Si vous mettez trop d'entrée dans un capteur, vous le détériorez. Et par contre, si vous n'en mettez pas assez d'entrée, ben, vous ne détectez pas. Mais ça veut dire quoi, vous ne détectez pas, finalement? Vers le bas, par quoi on est limité? On est limité par ce qu'on appelle le bruit. Le bruit propre du capteur, c'est cette espèce de signal qui vous empêchera, qui va vous masquer celui qui vous intéresse. J'avais un petit slide sur les niveaux sonores. Bon, vous voyez, à 140 dB, c'est très très douloureux, et puis on a des lésions irréversibles du système auditif. Voilà. Alors, il faut savoir que ben, on est un peu plus élastique quand on est jeune que quand on l'est moins, mais quand même, il ne faut pas aller trop proche des bancs d'essai des réacteurs, ni des burins pneumatiques. Voilà. Mais que les bruits courants, eh bien, quand on est immergé dans une rue bruyante, on monte couramment à 60 dB. Et que le silence absolu à 0 dB, eh bien, 0 dB, on croit qu'on n'entendra rien par l'extérieur éventuellement, mais par l'intérieur, vous avez énormément de bruit. Alors pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler l'impression qu'on a quand on écoute sa propre voix enregistrée. Ça, c'est l'impression que j'aurai quand je vais visionner la conférence après. Je vais réécouter ma voix, je vais dire, mais c'est qui ce type? Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'on a deux types de perceptions, par l'intérieur et par l'extérieur. Donc par l'intérieur, les chanteurs savent bien qu'on a énormément de perceptions par l'intérieur et que ce qu'on doit faire, c'est maximiser la projection. Et par l'extérieur, c'est ce que vous entendez d'habitude de la voix des autres, mais pas de la vôtre. Donc vous n'entendez jamais votre voix correctement. Et donc s'il n'y a pas de bruit à l'extérieur, vous entendrez uniquement votre organisme. Ça ne peut être obtenu, ça, les 0 dB, qu'en laboratoire, en chambre qu'on appelle anéchoïque, avec des équipements sur les murs dont la forme va absorber. Alors, vous avez la structure, hein, des mousses qui sont là, qui sont denses, qui vont absorber. Et en plus, eh bien, la forme ici va faire des creux dans lesquels, par interférence, toutes les ondes vont aller s'annuler en allant vers le fond là-bas. Donc il y a double intérêt. Simplement, le revêtement lui-même, il est microstructuré, il a des micro-alvéoles, il avale le son pour les longueurs d'onde qui sont toutes petites. Et puis pour celles qui sont un peu plus importantes, eh bien, ces espaces de pointe là vont briser les fonds sonores qui ne pourront pas se réfléchir. Alors, on va parler un peu de vieillissement de l'audition. Alors, le vieillissement, ça, c'est quand on est vieux. Et quand on est vieux, c'est qu'on a bien vécu, on espère. Alors, bien vécu, ça veut dire quoi? Bien vécu, ça veut dire que ben, si on fait le bilan à 20 ans, vous voyez, il y a 0 dB ici. Ça veut dire qu'on a juste pris une référence à 20 ans, hein, l'âge du patient. Et puis, on se dit, à 30 ans, il perd un petit peu d'aigus, puis à 40 aussi, puis à 50. Puis voilà, vous voyez que les aigus à 60 ans, il n'y en a plus beaucoup.
Et il y a deux façons de perdre son audition. Il y a aussi par les graves. Donc, vous avez peut-être déjà entendu quand vous rentrez d'une soirée un peu intense, le lendemain, on a les oreilles qui sifflent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, les oreilles qui sifflent, c'est un acouphène déjà. Quand on a un bruit qui n'est pas, qui provient pas de l'extérieur, qui objectivement est dû à un défaut de votre capteur, eh bien, on appelle ça un acouphène. L'acouphène, il vient de quoi? Il y a deux types d'acouphènes. L'acouphène, je dirais, traumatique, où vous avez vraiment abusé du signal d'entrée. Il était sympathique, hein, le signal d'entrée, mais il était un peu trop fort sur vos capteurs. Et à ce moment-là, vous avez endommagé ces fameux petits capteurs qui sont rentrés dans l'oreille interne, hein, qui sont logés là-bas, qui s'appellent la cochlée. Et il faut savoir que les cils qui servent à vibrer avec la musique, ils sont rangés dans un ordre qui n'est pas au hasard. Il y a les aigus devant et les graves derrière. Et donc, quand vous avez trop de puissance à l'entrée, vous avez tous vos cils aigus qui dégagent. Donc, vous perdez les plus aigus d'abord, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la place, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme la personne qui a le membre coupé, ça vous démange de là où il n'y a plus de membre. Et donc, c'est le syndrome du membre coupé. Vous avez un signal à plein pot sur là où le capteur est détruit. Donc, ça, c'est dans les aigus. Donc, ça, c'est l'acouphène traumatique. Alors celui-là, il reste, hein. il est câblé, etc. Après, vous avez, l'acouphène de vieillissement. Et là, c'est plutôt dans les graves que ça va se passer. Vous avez un grondement qui va se mettre en place. Mais là, les jeunes, vous ne pouvez pas comprendre. Vous verrez ça plus tard, dans 50 ans. Mais peut-être, non, tout le monde est trop jeune ici. Moi aussi, d'ailleurs. Mais on a déjà un bon sifflement. Hein. Voilà, donc vous avez deux types d'acouphènes, le traumatique qui vient vers l'aigu et puis le grondement qui vient, on dirait, par la dégénérescence vers les graves. Parce que lui, ben, c'est les cils du fond, plutôt. Et puis pour ceux qui ont fait un peu d'électronique, ben, on remarque la similitude de ce diagramme, qui est un diagramme d'amplitude, d'intensité, en fonction de la fréquence représentée en log. Et donc on appelle ça un diagramme de Bode assez souvent.